Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans, je suis mécanicien poids lourd. Mécanicien poids lourd, c'est réparer des moteurs, des boîtes, être bon en électricité, aussi en électronique, apprendre à réparer des semi-remorques, donc tout ce qui est pneumatique, coussin d'air, lame de ressort. Après, on peut faire aussi du haillon, ce qui sert au transport de marchandises pour lever la marchandise pour rentrer dans la remorque. Moi, en tant que mécanicien, je me vois vraiment comme un docteur. Il faut absolument trouver le problème du patient. Donc le patient, ça va être le camion. Le camion va arriver avec un problème électrique ou mécanique ou pneumatique, mais le problème sera là. Il faudra absolument diagnostiquer le problème et ensuite le réparer. Dans mon métier, l'autonomie est vachement importante parce que ça permet aussi de vraiment creuser le problème seul en ayant la force et l'envie de réussir à trouver le problème et se dire « j'ai enfin trouvé quoi !» Et aussi, on peut avoir un petit coup de main d'un collègue, puis on sera content du résultat quoi. J'ai fait un CAP en maintenance véhicule industriel, j'ai fait pareil en bac et j'ai aussi fait du coup une mention complémentaire. En tant que technicien, on gagne très bien sa vie. Ah bah c'est forcément, c'est appréciable d'avoir un bon salaire à la fin du mois. Et du coup, depuis que je suis arrivé, il y a eu beaucoup de formations internes. En 5 ans, j'ai dû faire une dizaine de formations. Et je demande que ça moi, d'évoluer. Mon objectif, c'est vraiment de manager une équipe et être chef d'atelier.